Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. Donc, si vous voyez qui est la baronne, aujourd'hui, elle a refait Elle a refait sa piste de course. Parce qu'avant, comme vous l'avez vu, avant, ben, elle n'était pas top top. J'ai mis sur Instagram, donc allez voir. Je vous mettrai mon nom en description. Et elle était pas top top, sa piste. Donc aujourd'hui, je vous présente Mountain, mon ongre de 7 ans. Donc lui et moi, on a une course sur la piste de course de la baronne qui a été refaite. Donc aujourd'hui, on va y aller ensemble. Et vu que je suis un peu à l'avance, je vais pouvoir vous faire visiter l'endroit. Donc c'est un hippodrome. Il y a là-bas de quoi. Il y a des boxes. Il y a un vétérinaire. Un endroit pour la crinière des chevaux. Je sais pas trop comment on peut dire, mais ça, c'est un endroit spécial pour refaire les crins de nos chevaux. Il y a aussi une piste ou un rond de longe. Ça dépend comment vous le voyez. Donc il y a des magasins, puis il y a une petite fontaine. Il y a les gradins avec un restaurant tout près. Enfin, soit, au lieu de vous faire la visite guidée dans votre tête, je vais plutôt vous la faire sans le chanter. Donc, c'est parti, on y va! Go! Donc, enfin arrivé, je vais vous faire visiter un petit tour rapide. Enfin, rapide, vu que j'ai le temps, j'ai encore largement... J'ai au moins une bonne trentaine de minutes, voire une heure, avant de devoir passer chez le veto. Et puis, quand on passe chez le veto, juste après, on a encore une heure. Alors, j'ai vraiment le temps. Comme vous voyez, c'est déjà pas mal. Là, j'ai dû prendre le van parce que j'avais pas d'autre choix. Donc, voilà. Oula. Tout d'abord, on va commencer par le plus normal. Quand on visite un nouvel endroit. L'entrée. Donc ça, c'est l'entrée, voilà. Je vous présente l'entrée. Très basique, on va dire. Là, c'est le vétérinaire. Donc, il est équipé d'une douche, d'un paddock, enfin de deux paddocks, donc d'un petit et un grand, avec le vétérinaire et l'entraîneuse pour chevaux. Donc là, on a les portes d'attache. Donc, il y en a trois. Avec le coiffeur, on va dire, pour chevaux. Et juste derrière, donc on va y aller ensemble, mais il y a la petite piste, donc le rond de longe, entre guillemets. Donc là, je vous montre en vitesse la piste, donc c'est vraiment un petit rond de longe tout petit, tout petit. Donc vraiment. Il n'y a rien de très particulier ici. Enfin, c'est vraiment un petit rond de longe pour s'entraîner avec notre cheval. Donc là, on se retrouve avec les box et le seau. Donc il y a quelques box sur le passage. Attention, monsieur. Voilà. Donc ici, il y a trois box. Là, il y a l'organisatrice des clubs. Et là, il y a encore une rangée de box. Il y en a quatre. Avec là, derrière, les obstacles. Voilà. Et donc, ici, c'est l'hippodrome. Mais c'est parce que, voilà, j'ai un peu... Enfin, soit. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de chevaux qui viennent. Hop là, un cheval en plus. Alors oui, il est assez grand.
Ce serait sympa à visiter. Donc là, on va vite faire le tour. Et je sais que le couleur a vite passé entre-temps. C'est normal et tout. C'est pour ça que j'ai envie qu'il fait beau une minute et puis la minute d'après, bouffe, il n'y a plus de soleil. C'est triste. Voilà. En gros, ben, je vais me préparer aujourd'hui. Oh la vache. Attendez, il y a mon... Mais en fait, j'ai un petit problème avec mon son. Il bug. Alors, ça m'énerve. Donc, je vais vous faire visiter cette partie-là. En gros, c'est demain mon concours. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous montrer quand je m'entraîne et tout. Donc, j'ai encore une trentaine de minutes avant de passer chez le veto. Mais ça, je vous montrerai pas. Ça vous sert à rien, en fait, de voir ça. En gros, c'est simple quand je suis ici. Donc là, j'ai une belle poubelle magnifique. Et puis là, j'ai des gens. Ah, bah, ils sont plus là. Bah, ok, bah, triste. Avec les gradins et là, le petit restaurant dont je vous parlais. Voilà. Là, c'est les sorties. Parce que ça sert à quelque chose de sorti. Là, c'est les magasins. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans vu que j'ai pas encore été voir. Surtout dans celui-là, j'ai vu que ces deux-là. Donc le magasin de vêtements où ils vendent des habits de concours et l'autre. Donc j'irai voir tout à l'heure et je vous tiens au courant de ce qu'il y a dedans. Si ça vous plaît, bye! Enfin non, mais à plus tard quoi. Parce que j'ai pas encore fini la vidéo. Donc j'ai été voir s'il y avait dedans. C'était juste une autre classe de vêtements. Voilà, c'était pas hyper intéressant pour le moment, vu que j'ai déjà tous les vêtements qu'il me faut. Et que pour les deux, enfin pour les premières semaines, nous informerons au moment donné. Mais au début, on n'a pas spécialement besoin d'avoir l'uniforme requis. Requis. Oh là là, désolé, je bug, mais voilà. Pour commencer, je passe dans les fleurs, c'est normal. Soit, aussi, j'ai vraiment quelque chose à vous montrer que j'aurais dû vous montrer dès le début, mais c'est la statue de l'hippodrome. Oh, merci de me rentrer dedans, c'est hyper sympa. Elle est passée à 2 mm de moi. Alors, comme vous le voyez, c'est un pur sanglier qui fait référence à Mountain. Justement, en parlant de lui, je vous parle juste de la statue et puis on va le retrouver pour le préparer, etc. Alors, la statue, elle est vraiment magnifique. Je la trouve magnifique et tout. Et c'était en rapport avec l'ancien cheval de la baronne. Donc, ils ont fait cette statue en rapport avec lui. En rapport avec une photo qu'ils ont prise de son cheval au galop. Et la baronne a voulu faire une piste de course avec, pour rendre hommage au cheval du. Au, pardon. Aux chevaux. C'est mieux. Aux chevaux de course. Et vu que souvent c'est des purs sanglais, elle l'a représenté en pur sanglais. C'est pour ça qu'elle a voulu avoir un pur sanglais. Et puis Mountain, je ne l'ai pas eu pour rien. Justement, je vais vous dire où est-ce que je l'ai eu. Ben, c'est la baronne qui me l'a donné. Donc, elle a eu Poulain et donc, ben, elle me l'a donné lors, à la fin de son débourrage. Donc, c'était vraiment le moment, l'étape de son débourrage la plus importante. Donc, ben voilà. Là, je vais venir lui faire la détente, vite fait. Tranquille parce que je vous ai tout dit et j'ai dû couper pour aller préparer. Donc je suis passée chez le veto, ça allait, etc. Donc quand j'ai retrouvé les chevaux qui étaient avec lui ne sont plus avec lui, ils sont rentrés au box. Voilà. Donc, on commence par un joli petit départ au galop de sa part, que je n'avais pas spécialement demandé.
Donc là, je vais mettre trop. Etc. Donc on se retrouvera quand je serai sur la piste pour l'entraînement. Je sais pas s'il y aura d'autres gens, mais voilà. Et puis ben. Ben, on attendra le lendemain pour le concours, mais je vous le montrerai pas parce que je sais pas trop comment je pourrais vous le filmer en fait. Voilà. Donc là, je pars. Ça va commencer. Et voilà, donc là, je suis partie. Là, c'est que l'entraînement, donc il y a deux tours de piste. C'est assez limite pour faire un record, surtout que c'est bien la première fois qu'il s'y trouve. Alors, toutes les fois où il a voulu me refaire un. Enfin, partir dans le coin ouvert, chaque fois j'ai dû lui dire de pas y aller. Sûrement que la fille derrière a eu un problème avec son cheval, je sais pas trop, c'est pas grave. Ça me regarde pas, enfin je m'en fiche un peu aussi. Donc là j'y vais. Là on a bientôt fini le tour. J'espère que ça va vite être fini parce que voilà. Donc là on se trouve sur la dernière ligne droite. Et voilà. Voilà, donc finalement, bah, je vais un peu à la fin lâcher dans la petite prairie derrière la piste. Je sais pas comment elle faisait, mais elle arrivait encore à tenir alors que je venais à peine de le faire galoper dans le rond de longe. Et puis là, je viens de lui faire faire une course de deux tours. On aurait dit qu'il n'en pouvait déjà plus au premier. Je sais pas comment elle fait, mais ça, voilà. C'est pas, je sais pas, enfin, soit. Alors, ben, voilà. Oh, mais trop que beau. Donc là, vous le voyez un peu. C'est la GoPro qui le filme. C'est pour ça que vous aurez un peu tous les angles. Et bien sûr, elle arrive encore à mettre de l'herbe sur la GoPro. Je sais pas comment elle fait, c'est pas grave. Enfin, ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine.